Que, bah, comme vous voyez, il y a plein d'alertes là parce que la chaîne virtuelle des villes s'est faite défoncer par YouTube. Parce que YouTube sont des abrutis qui ne connaissent pas leur métier. Et concrètement, ce qui s'est passé, bah, c'est extrêmement simple, c'est ce qui est expliqué dans toutes ces vidéos de soutien là. C'est concrètement que pendant un live, il y a un abruti qui s'est permis d'envoyer en gros une image de courgette quoi, de catégorie aubergine. Et donc la chaîne s'est faite instantanément striker parce que c'était pendant un live. Et ils n'ont pas fait un strike, ils n'ont pas fait un avertissement, ils n'ont pas fait une suspension, ils ont fait une suppression totale, ferme et définitive de la chaîne. Par conséquent, de ça en compte Gmail également. Comme il n'a pas de compte Gmail, ah ben, il pourra pas récupérer sa chaîne, puisque s'il fait une réclamation, veuillez nous contacter avec votre email associé à la chaîne et pas avec un autre. Donc voilà pourquoi c'est le branle-bas de combat. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est conseillé par notre camarade ici, Nico, c'est de faire un message un petit peu comme ça, voire même copier-coller celui-ci. Vous prenez votre chaîne à vous, vous allez ici là dans envoyer les commentaires, vous copiez le texte là, tac. Ah oui, j'ai oublié de le copier, donc forcément le coller ne marche pas. Bon, joindre une copie d'écran ça sert à rien parce que dans ce cadre là ça ne sert à rien. Et ceux qui ont des comptes Twitter, vous pouvez contacter Team YouTube et pas YouTube Creators parce que eux ne sont pas concernés. Ils ne savent pas, enfin ils ne peuvent pas intervenir. C'est vraiment Team YouTube qu'il faut contacter pour les gens qui ont Twitter. En expliquant rigoureusement la même chose. Dernier point, à tous les créateurs et youtubeurs et autres streamers, je pense notamment à ceux qui sont sur Twitch, jusqu'à nouvel ordre, ne faites plus de live. Plus aucun live. Enfin, plus avec des invités en tout cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les bots sont incapables de discerner les choses et de voir si c'est le propriétaire de la chaîne qui fait une connerie ou si c'est un utilisateur, un visionneur, un auditeur. Donc vous pouvez faire des lives, mais avec beaucoup de précautions, en ne disant surtout plus certains termes, donc les termes politiques et les termes en rapport avec le domaine de l'aubergine concrètement. Voilà, donc vous pouvez faire des lives, mais ne faites surtout pas de live avec invité, sous aucun prétexte. Sauf évidemment des invités que vous connaissez, dont vous avez une grande confiance. Mais tant que YouTube est incapable de faire quoi que ce soit en termes de qualité, enfin tant que YouTube n'aura pas appris son métier, quoi concrètement, il faut surtout plus faire de live. Et on espère tous que la chaîne Virtual Devil, qui est une chaîne quand même... J'allais dire sérieuse, mais oui, elle est sérieuse. Il y a un ton déconnant dessus, mais qui est un ton déconnant, rien de plus. Le contenu, lui, est sérieux. La thématique est sérieuse. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule du matin, et essayez de l'aider là pour ceux qui ont des comptes YouTube. Même si votre chaîne est comme la mienne, ridicule et contient juste quelques petits abonnés et avec essentiellement des copains dessus, écrivez à YouTube. Soit par le moyen que je vous ai indiqué là, en passant par les commentaires YouTube dans votre chaîne. Soit en allant, soit en passant par le compte YouTube. Alors, pas le compte YouTube Creator, hein, j'insiste bien. Côté Twitter. Allez, à plus. Ciao.